la sauce, ça pique. Allô? Allô? Une autre. Une autre. Écoute, Marie, si t'exploses, je suis pas responsable, OK? C'est correct. Donc, tu t'en vas-tu baiser avec un gorille? Pire. Aïe, aïe, aïe! Brutaliser, c'est pas la solution. Je comprends pas ce qu'elle a. Je l'ai juste parké là, puis là, elle veut plus repartir. Ah! Il faudrait absolument qu'elle marche un matin. Je l'ai acheté exprès juste pour aujourd'hui. Ça se peut pas qu'elle marche pas. Ça se peut pas. C'est sûrement le froid. C'est difficile pour la voiture. Surtout une vieille. Non, mais hier, elle marchait super bien. Oh, oh! Les voitures, c'est comme les femmes. Hier, oui, aujourd'hui, non. Pas grave. Ce qu'il faut, c'est faire un boost. Tu peux le faire. Ça va aller, n'inquiétez pas. Il n'y a pas de problème qui n'ont pas la solution. Si la voiture ne marche pas, moi, avec le taxi, je peux vous transporter. Non, non, c'est pas ça. Le tout, c'est une surprise. C'est pour mon ami, il faut que j'essaie de remonter le moral. Vous savez comment ça fonctionne? C'est simple, c'est la question de contact. Positif avec positif. Négatif avec négatif. Faut pas mixer les deux, ça brûle le système. Le rouge, positif. Dangereux, c'est lui qui transporte la charge. Branchez avec positif sur la batterie. Pas de problème. Comprenez-vous? Oui, oui. OK. Qu'est-ce qu'il a, Claude Morel, votre ami? Il a perdu sa mère? Non. Il a perdu sa job? Non, non. Bon. Allez-y maintenant, startez la voiture. Maintenant, la chose très importante. Roulez la voiture assez longtemps pour recharger la batterie, OK? Si vous arrêtez trop tout de suite, ça peut refaire la panne. Combien de temps faut rouler? Oh, une heure!
Juste une heure, vous êtes sûr? Ben oui, ça ira. Pardon. Ben, je pense que t'es un hostie droit. OK, OK, OK. Un, tu m'enlèves ma seule semaine de congé de l'année. Deux, tu m'envoies en cours demain matin avec ton client qui n'a aucune espèce de chance contre une handicapée, Simon. Une handicapée. As-tu déjà gagné contre une handicapée, toi? Ta gueule. Ta gueule. Trois, et surtout trois, tu te tapes notre voyage de ski sans moi. Ta gueule, j'ai dit. Amène-moi les documents du procès à l'hôtel tout de suite, puis en personne. Simon, tu es un rat de laboratoire. Ça va, merci. Pouvez-vous m'attendre juste une minute? Bonjour, vous êtes bien chez Fanny Grandmaison. Mais au malheur, je suis terriblement absente présentement. Alors, s'il vous plaît, veuillez laisser votre message au son du gentil timbre sonore que voici.
c'est pas pour ça que je t'appelais, là. C'est pour te dire qu'on a reçu la nouvelle collection. Ouais, c'est super beau. Non, au printemps, hein? Des tops, des jupes. Ouais, cool. Ben cool. C'est aussi bien d'avoir des belles jambes. Mm. Ah, c'est super beau. Ouais, je me suis pris une coupe d'affaires. Ouais. Non, une espèce de top, là. En fausse fourrure, noir et blanc. Zébré. Écœurant. Mm. Oh, et viens voir ça, il en reste pas beaucoup. Attends-moi là une minute. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Non, merci. Je vais juste regarder. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, je serai juste là. Excuse. Hein? Ah non, en fin de semaine, je peux pas. Ben non, je travaille. Ah, oh, c'est plat. Ouais, non, je remplace. C'est prévu depuis longtemps. J'ai vraiment pas le choix. Ah, ben non. Hein? À part de ça, samedi soir, c'est l'éclipse? Non. Deux éclipses de suite, là. J'aime autant mieux rester tranquille. Ah, t'as une autre ligne. Ouais, dépêche, t'attends. C'est pour un cadeau? Oui, je vais prendre celle-là. Excusez-moi, c'est ce que je pense. Je sais pas. C'est un très bon choix. 49,95 avec les taxes. Quand vous êtes venu la semaine passée, moi, je savais pas que celui-ci se libérerait. Hein? C'est un jeune couple et puis, mon Dieu, ils ont décidé de se séparer. Alors, mais je pense que ça peut se louer vite, hein, parce que très convoité ici, il y a tellement de belles lumières et puis beaucoup de services. Bon, par exemple, vous pouvez tout repeinturer si vous voulez. On fournit la peinture. On préfère dans les couleurs pastel, là, alors, mais c'est votre choix quand même. Et le tapis a été changé l'année passée et bien nettoyé. Moi, je pense qu'il est parfait. Ça, ça veut pas besoin de toucher à ça. Et c'est très bien insonorisé, hein, parce que d'ailleurs, vous voyez, à côté, là, il y a une petite dame, là, âgée, là, qui est très, très gentille. Jamais de plainte. À côté, deux étudiants. Parfait, pas de bruit. Oui, ça, c'est la chambre. Vous voyez, justement, derrière, il y a un petit garde-robe, là. C'est bien pratique, ça. Le lit, ça, bon, il est placé comme ça. Moi, je trouve pas ça très pratique. Vous pourriez... oui, ben, mon Dieu, vous me faites penser. Justement, ici, là, il y a un climatiseur qui peut être installé. C'est pratique parce que le soleil entre et puis ça, vraiment l'été, là, ça devient pas mal chaud.
Ah, c'est ça. Vous avez pas l'air bien, vous êtes bien pâle. Ça va? Oui, ça va très bien. Je vais le prendre. Bon, super. De bons choix. OK. Mais le stationnement, es-tu compris? Oui. OK. Ça serait-tu possible de le voir? C'est vraiment bien quand on n'a pas de soucis comme ça du stationnement d'avoir sa place. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous montrer le locker. Vous vous trompez pas. Ici, c'est le P2. Non. Qu'est-ce que je dis? C'est mon histoire. C'est le P3. Vous voyez? Oh. Allô? 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 Pardon. À vos souhaits. Des pains Saint-Urbain. De la communauté urbaine de Montréal ont arrêté un peu plus tôt cet avant-midi un premier suspect quant au viol et au meurtre de Julie Dumouchel, porté disparu la semaine dernière et dont le corps a été... que les trois femmes tenaient une fleur à la main droite au moment où leurs corps ont été découverts. L'individu, dont l'identité ne peut être dévoilée pour l'instant, subira un interrogatoire au cours des prochaines heures. Il faut lui arracher les couilles. Hey! Je te réveille? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Surprise! Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Comment ça? C'est toujours à 2 heures, la clinique? Ça a pas changé? Non. T'aimerais-tu mieux rester tout seul? Non, c'est pas ça, c'est juste que je... Hey, minute! Je pense que t'as pas bien regardé. Hey, wow! Hey, pareil! C'est sûr que c'est pas une Austin Healey, mais j'ai essayé de refaire la peinture pareil. Bon, je vais m'habiller. Ouais. Encore un plan de nègre? Ah, de nègre. Honte sur toi, Joël Cadieux. Si Étienne était là, tu te ferais blaster. Mais voyons.
Y a personne qui oserait blaster un homosexuel. Officiellement, on fait aussi partie des races protégées. Wow, méchant privilège. Mais ça. Hey, wow! C'est comme si j'étais assis dans mon petit char. Comment t'as fait pour te rappeler aussi bien? Hey, ton petit char, si tu me l'as pas mis dans la face 6000 fois, là. T'exagères. Ben oui. Puis, c'était mon porte-bonheur. Puis, on va où? Yannick, je sais pas si on a vraiment, vraiment le temps d'aller. Hey, Joël. Donne-moi ta montre, s'il te plaît. On a le temps, OK? On a le temps en masse. Excusez-moi, je pense que je vais être malade. Il faudrait que vous... Je pense que je vais vomir. Trop d'alcool, c'est pas bon. Un bon café, après, tu peux rouler ta journée tranquille. Non, non. C'est pas l'alcool. Je sais pas c'est quoi. La nervosité, peut-être. C'est bon, vous pouvez repartir. Ça va mieux? Oui, oui, c'est bon. Si ça va mieux. Est-ce que je peux demander pourquoi vous êtes si nerveux? C'est parce que je m'en vais passer une entrevue. Une entrevue? Comme à la télévision? Oui, à la TV. Je m'en vais parler d'un film que j'ai fait. Un film? Oui. Tu veux dire un vrai film? Avec un gros Kodak et les belles femmes? Non, non, avec un petit Kodak puis une bien belle fille. Ouais. Ah, c'est bon, j'aime les films. C'est quoi ton film? Ça parle de l'histoire d'un... d'un gars pis de sa blonde qui sont pris dans une fusillade au Cambodge, puis c'est ça, ils se retrouvent malgré eux, pris comme... Non, en fait, pas malgré eux, ils sont pris malgré tout le monde, pris comme... comme des otages, puis c'est ça. Non, c'est pas des otages, mais c'est comme... Non, ça a l'air compliqué, là, mais ça l'est pas, c'est comme ben simple, c'est... ils sont obligés pour s'en sortir, de prendre un des rebelles. Les otages prennent un des types qu'ils gardent en otage comme otage. Exactement, oui. L'otage des otages, c'est une bonne idée. Bam, capote les fascistes. Ça fait pas beaucoup de bang-bang dans mon film. Ben... c'est un film sur quoi, alors? C'est sur la fragilité, la peur et... sur le temps qui s'étire. Ah, la fragilité, le temps qui s'étire comme les élastiques. Mais pourquoi tu fais un film sur ça? Oh. C'est que... il m'est arrivé quelque chose comme ça avec mon ex. Mm. En fait, je pense que c'est plus un film sur elle que sur le reste. C'est bon, c'est bon. Une fois, avec mon frère, on s'est fait tirer dessus par la milice. Quand on est jeune, c'est le temps de se faire tirer dessus. Après, on est trop vieux. Est-ce que vous avez eu la chienne? Très peur. Beaucoup de balles. Il fallait trouver une solution, une bonne solution, une bonne idée. Ça a duré pendant... ça me semble... comment on dit le temps qu'un arbre pousse?
Une éternité. Hein, c'est ça, l'éternité. L'éternité, la peur, les élastiques. J'aime. Vous avez de bonnes idées, vous. Ça rappelle des souvenirs de jeunesse. C'est fait pour ça. Écoute, j'ai une bonne idée. Je t'aime bien, hein. Alors, si toi, tu es à la télé, tu dois avoir meilleurs cheveux. Alors, pour toi, $15. Pour les autres, 25. Mais pour toi, 15, hein? Non, merci, c'est gentil. Mais écoute, la télé, pour la télé, il faut avoir de beaux cheveux. C'est très important pour la télé. Moi, je sais, avec de beaux cheveux, on est moins nerveux. Non, en vérité, c'est pas mes cheveux qui m'énervent, c'est juste que je sais pas si je vais être capable de parler de mon film comme du monde. Ah oui. C'est plus facile de parler du monde. C'est vrai. On arrive. Air Shop. C'est pour les cheveux, pas à la télé. C'est supposé être là. Bon. Tout va bien aller. Merci, c'est gentil. Et bon sens. Maurice Zutrowski. Hey, wow, all right, salut. Bon, moi c'est Patrick, c'est moi la chercheuse de l'émission, c'est moi qui ai demandé à Marie de te faire venir ici, ça va? Au Technoshow aujourd'hui, on parle peinture, cinéma, musique, évidemment, courant du cheveu de Madrid. Madrid, c'est la place présentement pour le cheveu. Chronique de body painting, Michael nous explique qu'est-ce qu'on fait avec les aisselles. Une super grosse surprise pour vous autres, on le sent dans la place, on est tous bien énervés, oui, les serres. OK, cool. Marie Zutrowski, une entrevue de fond de 2 minutes. On parlait de ton film, des prix que t'as gagné à Berlin, de toi, de ton cheminement, de tes amis puis ton look. Cool. OK. Je vais te présenter Techno, c'est lui qui va s'occuper de toi. OK, smooth. Fais-moi mal. Dans l'art, c'est d'avoir l'air convaincu. Ce qui tue, c'est l'hésitation. Toi, prends-toi par exemple, t'as l'air bien convaincant. T'es comédien? Quel restaurant? J'adore l'odeur de ce gel. Ça sent comme je trouve pas le mot. Ça sent comme elle est. Exact. Right on, it smells like Ellie. I love it. Techno, je te présente Maurice, le troisième invité. Hello, I'm Techno. Hello, Maurice. OK, Maurice, je m'occupe de toi. T'es quoi, toi, Maurice? Moi, je suis perdu. Maurice est réalisateur. Director. Wow, c'est fashionable too much. OK, ça m'inspire. Fais-moi confiance, Techno s'occupe de toi. Sit, please. Tu sais que David Bowie s'est changé ses couleurs de cheveux? Technetium cuivré 45. You kill me. You must have a really good reason to do that, parce que c'était vraiment beau, son couleur. Gilbert, apporte-moi les Atomic Glove, please. Salut. Moi, c'est Nadja. C'est moi qui fais l'entrevue avec toi. Moi, c'est Maurice. Salut, Maurice. Écoute, j'ai pas vu ton film, mais il paraît que c'est pas mal spécial. Tu fais-tu des clips? Non, je trouve que... On n'aura pas beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Tu connais l'Internet? Parfait. Parce que moi, je vais te poser des questions. Du monde en donnette va te poser des questions. Du monde au téléphone va te poser des questions. Ça va venir de Tokyo, Paris, New York. Tu vas être full bombardé via satellite. J'espère que t'es en forme. Plutôt. Cool! T'es chanceux, juste avant toi, je fais une entrevue avec les Cyber Dogs. Tu vas pouvoir saisir la twist. Tu connais les Cyber Dogs? Des génies. C'est pas si hallucinant ce qu'ils font, ce gars-là. C'est tellement cool. Si tu veux, je te présente après. OK?
Keep cool. Techno s'occupe de toi. Elle est mangeable, hein? Tu fais des clips, Maurice? Est-ce qu'on est vraiment obligé pour... Hey, maintenant à l'antenne de Media TV, j'ai l'honneur de recevoir les boys qui ont fait chavirer Montréal la semaine passée avec leur Bronto Mega Hit, I Miss You. Vous savez tous de qui je parle, et pour les accueillir, let's go smooth, let's turn the negative switch live! OK, vous avez tous reconnu Gilles Ouellet, le leader du band québécois, les Cyberdogs. Gilles, on est très heureux de te recevoir ici chez Media TV. Ton dernier clip était très, très fort. Messieurs, toute la province chante ça. Ça fait du bien dans le paysage musical québécois. C'est frais, c'est hip, vraiment hot. Je vais traduire pour Gilles qui parle pas français. Hi, Gilles. How are you? Fine, thank you. Gilles me dit que tout va très bien pour eux. C'est buzz dans ce qui leur arrive présentement. Band de garage une semaine, semaine d'après, Mega Band Full Star. Gilles, tell me, it's incredible. Oh, well, incredible is it's a strong word, you know? We've been in New York City for the last 3 days and poof, gonna sign with a major label. It's a scoop. Wow. Gilles m'annonce en primeur ici à Media TV qui vient de signer un méga contrat avec une méga compagnie USA. Je vais lui demander si, comme moi, il est d'accord pour dire que sa musique s'inspire des Wet Fuckers ou des Old Anal Phases. Do you think you are making music like the Old Anal Phases from LA? No, I don't think so. No, it's much more like the Beatles, you know, mixed with some post-funk, tribal trance, indie rock, maybe a touch of bluegrass hip-hop. Basically, that kind of thing, you know? Gilles me dit que j'ai raison, tout à fait. Il y a des similitudes avec les All In All Phases, mais avec plus de hip et de post. En plus. OK, Gilles, on a une question qui nous vient pour toi via satellite de Paris. Allô, Paris? Bonjour, Gilles. On t'aime beaucoup ici. J'aimerais savoir quel gel tu utilises pour tes cheveux. Oh, that's a catch. It's custom-made, so I wouldn't know. I call it myself G.O. Gilles Ouellet. Love that catch. OK, Gilles Ouellet. He's amazing. Il est extraordinaire. Merci, Gilles. Parfait, cool. Ça va être à toi. Très beau techno. Rien à ajouter. Je peux me fourrer des plumes dans le cul aussi. C'est une bien bonne idée, là, mais on n'a pas même le temps d'improviser. Okay, OK, Maurice est ici pour nous parler de son film. C'est un film très, très, très spécial. Salut, Maurice. Bonjour. Ça va? Oui. OK, avant de nous parler de ton film et de tes projets de clips et d'avoir des questions d'internautes, j'aimerais demander à Techno ce qu'il a créé avec ton cheveu. Allô, Techno. Salut, ma chouette. OK, 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 gros job pour Techno. Young filmmaker, jeune réalisateur, c'est hip, c'est fashionable, c'est full too much. So, Techno a créé pour son director's look un concept. On augmente la ASA, plus de lumière, plus d'éclat. Beach for the stars. Regarde le contour que j'ai fait dans l'oreille. C'est parce que c'est une expérience folle. Un geste, puis je rase. Cool. Cool. Rest cool, Maurice. Relax, man. C'est beau. On est tous ton ami. Tes cheveux. Qu'est-ce que la télé a fait avec tes cheveux?
Tenez. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море над бульваром, фонтан за городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Антуан, Антуан, Антуан. J'ai pas le temps. Ouais. Antoine. Faut absolument que je te conte le rêve que j'ai fait ce matin. Un rêve? Ouais. J'ai pas le temps. C'est pire que celui d'hier, c'est à cause des atomes. Les atomes? Oui. Okay. Il y a 100 ans, on a découvert la matière la plus élémentaire du cosmos, celle qui compose les atomes. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que tout ça, c'est une gaffe. Ah ouais? Les atomes sont pas faits de matière, Antoine. OK. Okay. Les atomes sont faits d'énergie concentrée. La matière n'existe pas. OK. On est fait de rien. Rien. Je dis que c'est complètement absurde. OK, non? Oui. Oui, c'est absurde. Qu'est-ce que c'est ton rêve? Ah, OK. Je suis poursuivi par une trentaine de tueurs, OK? À un moment donné, je m'épuise, ouais. Je tombe, puis là, il y a un avion qui m'écrase. Un avion? Ouais, c'est pas mal. Mais là, j'ouvre les yeux, je vois plus, je sens plus, j'entends plus. Rien. Comme les atomes. Ça veut dire que t'es... Je suis mort. T'es mort? Oui, je suis mort. Mais le pire, c'est quand je me rends compte que c'est juste mon corps qui est mort. Ma conscience, elle, la vit toujours, tu comprends-tu? Ouais. Puis je me retrouve à vivre tout seul, pogné avec moi-même, puis mes maudites idées pour l'éternité. C'est l'enfer, ça, non? C'est pas mal. C'est l'enfer. C'est pas mal. Je vais faire un peu de recherche, je reviens là-dessus, OK? OK, merci. Là, il faut que je file, OK? OK, merci. OK. Plus tard, toi. Salut, chef. La partie 1, c'est la peur des autres. Fanny? Puis la partie 2, c'est la peur de toi. Salut, Julien. Jules? Tu m'appelais Julien seulement quand je te tombais sur les nerfs. De vrai. Ou quand j'avais le goût de fourrer. Ça va bien? Et t'as pas changé d'un poil? Non? Oui, ça va. Toi, t'as changé. Tu trouves? Ah, tiens. Ça fait 3 ans que je fume plus. Fais-tu 3 ans qu'on s'est pas vu? Attends, là, 5 ans. Moi, je t'ai laissé le jour de mon 25e anniversaire. Ben oui, tu m'avais dit, on va rester amis, hein? Puis tu m'avais répondu, comme des frères et sœurs. Hey, t'as changé, toi. T'as vraiment quelque chose de différent. J'ai vieilli. Non, c'est pas ça. C'est comme plus... t'es plus granola, là. T'as plus de boutons. Là, des boutons. T'as pas des boutons-boutons, là, mais t'avais comme des problèmes de peau. Hein? Ben, t'as une belle peau. T'as une belle peau, là. Puis des nouveaux seins, Jules. Quoi? Ouais, depuis 3 mois. Ben, vas-y, regarde. Je peux? Oui. Fanny, je regarde toujours les seins des femmes. Comme toujours, comme de toutes les femmes, là. Mais d'habitude, j'attends comme le bon moment. Ben, je veux dire, je regarde quand vous regardez ailleurs ou quand j'ai des lunettes fumées. Quand vous éternuez, on ferme toujours un peu les yeux quand on éternue. Fait que là, j'en profite pour checker un peu. Mais là, t'as vraiment pas changé, Jules. T'es pareil comme avant, mais en pire encore. Pire? Fais-toi-en pas avec les poitrines féminines. Moi, c'est exactement la même chose avec le cul des hommes. Non. J'ai gêné de regarder mes seins parce que tu sais que je te vois en train de les regarder. Madame Grand-Maison, vous prolongez votre séjour? Grand-Maison, tu t'es mariée? J'ai changé de nom. Stéphanie Petit, ça aidait pas ma carrière. Mais je reste, puis j'aimerais récupérer mes bagages qui sont en consigne. Puis oui, je suis mariée. Antoine, les bagages de Madame Grand-Maison à la réception immédiatement. Madame Grand-Maison, j'ai bien peur que nous n'ayons plus de place. Oh, bordel! Ah, mais Fanny, j'ai un king size dans ma chambre. Mais si ça peut te dépanner, là... Je suis vraiment désolé, mais certains étages sont en rénovation. Il y a aussi le congrès des malentendants qui mobilise beaucoup de chambres. Ah, je m'excuse, on dit pas malentendants, on dit sourds. Les sourds eux-mêmes disent sourds, OK? Bon, mais
La chambre de monsieur, s'il vous plaît. Tato. Jules, c'est pas d'un lit dont j'ai besoin, mais d'un bureau pour travailler toute la nuit, c'est clair? On couchera pas ensemble, là. Mon Dieu, quelle idée tu te fais de moi? Ouais, la même que je me suis toujours faite de toi. Tu fais quoi, là, maintenant? Ben, je lis. Ben, j'apprends des langues. Je lis. Je veux dire, professionnellement. Ah, cette semaine, j'ai un contrat d'interprète. Ma cliente habite ici, très sympathique. Je peux-tu voir tes seins? Quoi? Tes seins? Regarde-moi dans les yeux, là, puis répète ta question. Je peux-tu voir tes seins nus? Pas question. Non? Non. Un ami? C'est quoi ça, un ami? Ben, je sais pas. Écoute, Fanny, ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Il y a de bonnes chances qu'on se revoie pas avant un bout. Mm-hmm. T'as rénové tes seins, ils ont l'air superbes, c'est tout. Superbe, t'es beau, toi, quand t'exagères. Ben non, mais je veux juste les voir, c'est tout. C'est tout. Oui. Juste un, tu pourrais faire un petit cadeau, juste un petit mini Winnie Pie, comme ça, le naïf, candide, sans arrière-pensée, là. Je veux dire, ça doit te faire plaisir qu'on les admire s'ils sont nouveaux, non? De toute façon, au prix qu'ils ont dû te coûter, tu devrais en faire profiter. De toute façon, tu pensais pas juste à toi quand tu les as achetés. Fait quand tu les as... t'as fait... Gonfler, shooter, si tu préfères. Silicone? Jules, t'sais, j'ai assez d'expérience là, pour savoir que c'est pas possible pour un homme de 30 ans, dans le prime de son désir pour les femmes, d'avoir juste un mini Winnie Pig sur les seins de son ancienne blonde, puis surtout pas dans une chambre d'hôtel. Pourquoi? Pourquoi? Ah, Simone. Simone. Simone, je me présente. Fanny, je te présente ma cliente, Simone Leduc. Simone Leduc? Bonjour. Charmant. C'est quoi ta job cette semaine, Joe? Joe? Je suis interprète en langage gestuel. J'accompagne Simone en cours demain. Demain matin, 10h30, salle 24, au Palais de justice, c'est ça? Tu la connais? Ta cliente, là, c'est ma rivale. C'est à cause d'elle que je rate mon voyage de ski. Tu veux dire? Mais c'est moi, l'avocate Zélie, là, qui va passer une nuit blanche pour m'assurer qu'elle perde sa cause. Oh, c'est clairement, mais pour se revoir, on va se revoir. Non, non, attends. Conflit d'intérêts, là. Je peux pas passer la nuit chez vous. Si mon client apprend ça, je suis faite. Pas matière à conflit, là. Ouais. Je veux dire, d'un côté, le travail, de l'autre, le plaisir. Le plaisir, Jules. Tu montes? Si t'insistes. Insiste. Tu peux me prendre la main? Je suis un peu claustrophobe dans l'ascenseur, c'est récent. Oh, petit. Non, non, c'est vrai, je te jure. Mm-hmm. Non, mais je les aimais, tes seins, moi. Je veux dire, il était pas gros, mais il était beau. Il avait du cote, du caractère. Hein, il était juste bien proportionné, doux, rond, pointu des fois aussi. Je disais, pourquoi t'as peur de les montrer maintenant que t'en as des nouveaux? Hein? Ben oui, j'ai pas peur, j'ai pas le goût, c'est tout. Le goût, c'est un mot que tu connais pas, ça. Tu t'es jamais servi de tes sens. Tout ce qui marche, là, c'est ton pseudo-brain puis tes théories nombrilistes. T'as pas d'instinct, Jules. T'es perdu là, dans ta tête, dans ton monde théorique, quelque part. Là. Un douce nostalgie, que de souvenirs qui ressurgissent. Mais ton corps va pourrir, mon gros. C'est quand la dernière fois que t'as fait du sport? Écoute, tu l'aimes pas, mon corps? Moi, il est à moi, mon corps, il est complètement à moi. Je me suis pas fait booster la bite ou quelque affaire de même. Tu devrais peut-être. Non, mais tu veux-tu me dire c'est quoi cet engouement incroyable dans notre société actuellement? Je veux dire... C'est quoi, c'est l'approche de l'an 2000 qui fait ça? Il n'y a plus rien de vrai. Tout est artificiel. Non, mais c'est vrai, oh, Stéphanie. Stéphanie. Je veux dire, les athlètes se boostent aux stéroïdes. On manipule les gènes à la recherche de l'être idéal. La mode remplace la politique. Les machines pensent à notre place. Il n'y a aucune morale sociale qui est née depuis la mort des grandes religions. Résultat, tu te fais booster des cancers dans les boules. À dire que tes théories m'ont déjà séduite. Une chance qu'au bout de quelques mois, je t'ai trouvé assez insipide pour te laisser. Mais non, on s'est laissé au bout d'un an. Un an? Incroyable, le pouvoir d'une bonne baise, hein? Je peux te
tu vois tes seins? Oh, quel intérêt à voir mes seins? Ben non, mais je veux dire, j'ai déjà vu ton corps, moi. J'ai déjà vu nu. Je veux dire, je l'ai vu combien de fois déjà? 200, 250 fois? Non, correction. Laisse l'élève rappeler au maître ses grands enseignements. Avec le recyclage, là, les atomes, tes chers atomes, ils se font remplacer. Conclusion, t'as jamais vu ce corps-ci. C'est un tout nouveau modèle. Puis, les derniers modèles, ça vaut cher. Cher? Ah, mon Dieu! Où donc ai-je la terre? Ah, bon, cher! OK. Combien tu veux? OK. Je te révèle mes précieux bijoux en échange de... d'un tout petit service de rien du tout. Le téléphone arabe. Téléphone arabe? Mm-hmm. Demain, en cours, t'es le seul moyen de communication entre ta cliente puis le juge. Tu deviens la voix de Simone Leduc et, en l'occurrence, tu peux réinventer ses réponses à ma façon puis la faire perdre en un tour de main. C'est comme ça, elle perdrait sa cause demain matin même. De toute façon, je peux prouver qu'elle est coupable en une couple de jours, mais pourquoi perdre notre précieux temps puis celui du juge? Fais ça, toi. Je veux juste une garde puis bien du ketchup. Longtemps que je t'ai vu. Es-tu en vacances? Non. 5 hot dogs, s'il vous plaît. C'est parti! Qu'est-ce que je mets dans tes hot dogs, mon gars? OK. Tu la guenille qui est en arrière, s'il te plaît? Cette rue-là, ça me fait penser aux parades du Père Noël quand j'étais petit. Ça m'excitait tellement que j'en pissais dans mes culottes. Tellement stupide, les parades. Je t'ai-tu déjà compté la fois où je me suis pris la bite dans mon soude de skidoo? C'était pendant une parade. Mon père m'avait amené près d'un mur pour pisser. Il faisait tellement frette, là. J'ai voulu aller vite, fait que j'ai tiré bien fort pour remonter mon soude. Pis-lang. La bite dans le zipper. Hey, j'ai tellement braillé, là.
Hey. Je le suis, Yanni. Je suis sûr que je le suis. Bitch. Pis, mon homme. OK, si je résume la situation, là, je fais perdre ma cliente en cours de main et en échange. En échange, tu montes tes seins. C'est là. Ça? Tout de suite. Tout de suite. Ouais. J'attends ton signal. Oups! Qu'est-ce que tu regardes, là? Hey. Hey, t'as changé, toi. T'as vraiment changé, hein? Je veux dire, avocat, c'est pas juste une job, c'est un mode de vie pour toi. Quand t'as eu ton diplôme, t'as-tu reçu la mention bitch de l'année, en plus? Il est pas éthique, ton sacrement de deal. Pas éthique? Pas éthique! Il est tout à fait éthique, mon sacrement de deal, puisque ta cliente est coupable. Coupable, j'ai la preuve. Moi, j'ai pas la preuve. Fais-moi confiance. Ah ouais, la dernière fois que je t'ai fait confiance, t'as fait une pipe à mon meilleur chum. Ah! Oh, pis fuck off, tu veux pas y voir mes calices de boule? Ben, t'y verras pas. No deal. OK, no deal. No deal. No deal. No deal, no deal, no deal, no fucking deal. No deal. OK, j'accepte. 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 Mm-hmm. Monsieur Éthique lui-même accepte de crosser sa cliente handicapée? Grosse pute sale. Hey, tu rêves pas, moi, tu sais, si tu penses que je suis prête à vendre mon corps de même, j'accepterai jamais, jamais un deal pareil. Non, c'est moi qui avais tort, c'est toi qui as changé. De toute façon, je vois clair dans ton jus depuis le début. Ton intérêt réel dans cette affaire-là n'a rien à voir avec mes seins. Ce que tu veux vraiment, c'est assister à leur dévoilement. Ah, comment tu dis ça? Dévoilement. Ben oui, t'es plus intéressé par le moment où je vais enlever mon chandail que par ce qu'il y a en dessous. C'est normal. C'est ça qui est excitant. C'est ça que tu recherches. C'est ce que l'on recherche. Tous. Je vais seulement me prouver là, que c'est pas tant cette excitation-là qui t'intéresse, mais bel et bien mes seins, alors oui, là, je te les offrirai volontiers. Mmh. Dévoilement, hein? Dévoilement. Dévoilement. Grosse théorie, ça, là, là? Mmh? Oui, monsieur. Salut, Jules. Ça va? Salut, Antoine. Ça va, ça va. Le bonheur est proche, je le sens. Puis mon rêve... Y a-t-il un lien à faire avec la mort de la matière atomique dans la conscience collective à l'aube du deuxième millénaire? C'est pas. Tiens, c'est pour ta copine. Ma copine te remercie. Okay. Excuse-moi, t'aurais pas un condom par hasard? J'en reviens tout de suite. Fanny? Quoi? La nudité dans l'art, c'est tout à fait respectable, non? Non, je veux dire, si tu montes une photographie de tes seins et que je la contemple comme une œuvre d'art, ton problème de dévoilement supposément sacré est éliminé, non? Jules. C'est baiser qui t'intéresse? Faire l'amour. Tiens, je sais pas. Inconsciemment, peut-être. Julien. Jules.
Écoute, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir tes seins. Le reste, c'est le futur. Je peux pas deviner le futur, moi. Bravo pour la franchise. À ma place, te déshabillerais-tu, toi? Ah ouais, certain, officiel, ouais. Mmh. Bon, fais-le de bord. Mmh? C'était de bonne foi, puis je te suis. Mmh. Mmh. Hey, merde. Fanny, Fanny, Jules. Oui, je suis là. Jules, il faut que je parte, là, c'est urgent. Au lieu de me remettre les documents du procès, mon associé m'a remis un billet d'avion. Il se sentait trop coupable. Il va s'occuper du cas lui-même. Je pars pour Québec, là, mon avion décolle ce soir. Fanny... Quoi, Jules? Tu veux rien. Rien. Tu t'en vas? Je veux voir mes seins. Non, je veux pas voir tes seins. C'est une connerie, cette histoire de seins-là. C'est con. Ah bon? Comme tu veux. Tiens, mon numéro de cellulaire. Viens m'en joindre au ski après le procès. Hein? J'ai un condo, puis Simon aura jamais les gosses de se pointer. Simon? C'est mon associé et futur ex-mari. Ouais. On va rester amis, hein? Tout change pas, mon Julio. Jules, c'est pour toi. Pouvez-vous descendre mes bagages à la réception, s'il vous plaît? Oui, dans un instant. Merci. Je pense que j'ai une interprétation à ton rêve. Je t'explique. Le crash d'avion, ça veut dire que t'as une situation trop intellectuelle qui est en conflit, qui se brise par rapport à tes aspirations matérielles. Mais comme tu meurs pas vraiment, ta fausse mort serait une condition pour accéder à un niveau de vie supérieur. Ah, ouais. Une autre fois. Merci. Ouais. Salut, Jules. Salut, Antoine. Merci. Des cancers de la peau.
Penses-tu qu'on grille? Hey, Joe, je grille-tu? Je veux plus le savoir, Yannick. Je veux plus. OK, c'est correct. On ira pas, Joe. On ira pas. OK? C'est vrai. On ira pas. On ira pas. J'ai pas besoin de savoir. À la langue. Fuck. Fuck. Qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Qu'est-ce que je fais ici? Si je le suis, je le suis maintenant. Pas juste à partir de 2 heures, en ce moment, je le suis. Sois positif, mon gars, peut-être que t'es négatif. Qu'est-ce qu'on fait à faire semblant que la vie est belle, hein? On fait pas semblant! Oh, Liani, réveille, calice! Si tu l'es pas, hein? Si tu l'es pas! Ah oui, je te fais. Viens-t'en. Viens-t'en, on va bien le savoir tout de suite. Ah oui! Viens! I wonder... Je t'adonne. Merci pour la journée. Puis, quand est-ce qu'on remet ça? Je t'attends, OK?
Colin, il est 8 heures. Ça fait 20 minutes que je le dors. Qu'est-ce que tu fais, sacrement? Où est-ce que t'es? Ça commence, là. Colin. Bon, ben, bonne soirée. Encore là? Dans mon temps, c'est ce qu'on appelait se faire poser un lapin. Soyez rassurés, vous ne manquez rien, c'est lamentable. Vous laissez pas grand chance aux acteurs. Quand c'est un désastre, on le sait dès la première réplique. Vous connaissez la pièce? Je l'ai jouée. Comédienne? Non, c'était pour une audition à l'École nationale de théâtre. Je voulais voir Sylvie Drapeau. Tout le monde dit qu'elle est extraordinaire. Tout le monde. Si vous aviez vu Delphine. Je n'ai jamais retrouvé la magie du premier soir où j'ai vu la Mégère à Paris, en 53. Ah, la Katerina était si belle, si farouche. Et je l'ai épousée. L'avez-vous apprivoisé? Pas vraiment. Mais vous avez froid. C'est pas grave. Si, si, c'est grave. Je ne supporte pas qu'une femme ait froid aux pieds. Venez avec moi. Vous n'auriez pas vu une jeune femme seule qui attendait quelqu'un? Vous êtes sûr? Ah oui, il y a une brunette qui attendait tantôt, mais elle est partie. Hey, est-ce que ça fait longtemps? Savez-vous dans quelle direction elle est partie? Ben, la prochaine fois, faites-la pas attendre. Comme ça, ça fera moins de questions à poser. Avec ça, vous vous sentirez mieux. Ma femme portait son trac dans ses pieds. Tous les soirs avant le spectacle, je l'ai lui massé. Et après la représentation, je l'ai lui massé à nouveau. Alors, elle se détendait complètement et s'endormait comme une enfant sur le divan. Vous avez été combien de temps avec elle? Quel âge avez-vous? 19. Ben. Je suis en train d'avoir 20, c'est ma fête ce soir. Ah, votre anniversaire. Alors la pièce, c'était... Mon cadeau. C'est réussi, hein? Permettez. Elle avait votre âge quand je l'ai épousée. 20 ans. Transparente comme la pluie. Bon anniversaire. Aurore. Aurore. C'est magnifique. Et vous? Crépuscule. Aurore et crépuscule, comme dans le poème. Thank you.
À la fin de l'envoi, je touche. Soirée. C'est pas juste une mauvaise soirée. Et que j'aurais aimé ça vivre à votre époque. C'était plus dur pour certains, mieux pour d'autres. Comme aujourd'hui, au fond, rien n'a changé. Moi, je pense que ça a beaucoup changé, au contraire. J'ai toujours su que j'étais pas née au bon moment. Pas faite pour la vitesse puis la compétition. Pourtant, au jeu, vous êtes férocement combattant. Au jeu, oui. Dans la vie, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de... Je sais pas quoi, mais ça vient pas. Même le soir de ma fête. Je me demande si je l'aime encore. Vous êtes charmante, Aurore. C'est à moi, ça ne sera pas long. Et voilà. En tout cas, si à 70 ans, je suis encore avec mon chum, je penserai à vous le jour de ma fête, ça c'est certain. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Elle n'est pas morte. Elle m'a quitté. Elle avait raison d'ailleurs, c'était le temps. Moi, je ne serai jamais parti. Et moi qui sais même pas si je vais rester. Bien sûr. L'aurore adolescente qui songe au soleil d'or. Un soleil d'hiver sans flammes éclatantes. L'aurore adolescente monte peu à peu. Si doucement qu'on peut voir grelottante rosir l'aurore. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. Apollinaire avait raison. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Le mariage, vous savez... C'est une association. Une association? C'est romantique. Avec le temps, c'est ce que ça devient important. Vous n'y croyez plus? Il y a des associations très enrichissantes. On attend tous le miracle. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelqu'un quelque part, peut-être très loin. Avec qui j'allais faire ma vie. Très loin ou très proche. C'est peut-être mon chum. Si je décide que c'est lui. Vous avez bien dû décider pour que ça dure 50 ans? Oui. Et je ne suis jamais revenu sur mon choix. Pourtant, vous êtes beau. Vous auriez pu en connaître plusieurs, ces associations. Ne tentez pas le diable, Aurore.
C'est bizarre, le hasard. La vie, c'est bizarre. Est-ce que vous travaillez toujours de nuit? La nuit, le jour. Des fois, 24 heures. Mais la nuit, c'est moins de trafic. Vous devez faire des drôles de rencontres. C'est sûr. Il y a toutes sortes de monde. Aujourd'hui, j'ai eu un type qui a vomi parce qu'il était trop nerveux. Des fois, c'est autre chose. Vous pouvez pas imaginer. Moi, ce soir, j'ai rencontré un sage. Un sage? C'est pas prudent. Les sages ont toujours des idées derrière la tête. Sûrement. Il était vieux ou jeune, votre sage? Je sais pas, c'est comme s'il avait pas eu d'âge. Je pense qu'il a eu 20 ans avec moi. Si ça avait pas été ma fête, je l'aurais jamais rencontré. C'est votre fête? Mais c'est bon! Bonne fête! Comment on dit bonne fête dans votre langue? Bonne fête, on dit plusieurs choses, mais moi je préfère долгие лета. Ça veut dire beaucoup d'années. Beaucoup d'années? Un sandwich, un café, s'il te plaît. Sandwich au poulet? Poulet, c'est bon. Bonjour, Stella. Un café, s'il te plaît. Et cosmos. Hé, Jean-Yves. Alors, tu t'es réveillé sans trop de problèmes? Presque. Tout à fait presque. Toi, tu termines? Oui. Alors? $83. Chi. En tout cas. En tout cas, quoi? En tout cas, l'hiver, c'était difficile. Ça, mon ami, c'est vrai. C'est le grand désavantage de ce pays. Énorme désavantage. Mais de notre côté, il y a beaucoup d'avantages ici. L'hiver, c'est le prix à payer. Énorme prix. Le bonheur n'est pas dans la saison ou dans le temps qu'il fait. C'est ici, dans l'altitude. Dans l'altitude? Oui, oui, c'est très bien. Mais l'hiver, les gens sont beaucoup moins ouverts. Ils deviennent conservateurs, tu sais. Ils ne regardent même pas autour d'eux. Véritablement enfermés. Personne parle, personne sourit. C'est déprimant. Je déprime, moi. Oui, oui. Mais ne déprime pas. De toute façon, le printemps semble arriver. En tout cas, l'hiver, il donne moins de pourboire à les gens. Et ça, c'est un problème. Non,
Moi, c'est l'été que j'aime. Ah, là, tu parles, mon ami. Là, t'es pas seul. L'été, ça fait pas chier. Et les gens, tu sais, les gens sont beaucoup plus ouverts. Ils donnent des pourboires comme des personnes civilisées. Le problème avec la société aujourd'hui, c'est que les gens... Tu sais comment sont les gens aujourd'hui? J'ai aucune idée comment sont les gens aujourd'hui. Je vais te le dire. Les gens sont seuls, mon ami. Solitaires. Très, très solitaires. Ça, c'est vrai. Tu as raison. J'ai lu un livre sur le sujet. La personne qui l'a écrit disait que tout a commencé avec une chose. Devine ce que c'était cette chose. Quoi? Allez, devine. La révolution industrielle. Non. Comment non? C'est pas ça. La libération des femmes, alors? Non, avant ça. Je sais pas. Télévision? Plastique? Non, mon ami. Tous les problèmes ont commencé avec l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fou? L'agriculture, c'est une bonne chose. Ça donne à manger. Ça donne tout. Oui, oui, l'agriculture, c'est quelque chose de magnifique. Moi, j'ai rien contre. Mais tout dépend de comment tu la regardes. Ouais, tu dis encore des conneries. Regarde. C'est pas l'agriculture comme telle qui est le problème. C'est pas le blé, les tomates. Ils sont pas coupables, les tomates. Mais c'est les conséquences de l'agriculture qui ont causé les problèmes. De nourriture, sans ça, pas d'augmentation significative de la population, sans ça, pas de grande ville. Et sans grande ville, mon ami, elle est où ta voiture? Oui, où est ma voiture? Je comprends pas. Elle est-elle... Fucking bastard, voyons, mec! Mais tu l'as peut-être prêté? Prêté, mais tu comprends pas, ils l'ont volé! Ils l'ont volé, mon taxi! Oh, you should be a taxi! I'm gonna kill them! I'm gonna break their fucking heads! Mais elle est là, ta voiture? Regarde. C'est pas ça, ta voiture? Allez, allez, on va les suivre. Oh, suivre? On va pas les suivre! On va les attraper, on va les tuer, on va les massacrer! C'est des chiens! Oh, il bouge, c'est bon. Je vais les étrangler, une à la fois. Chacun son tour. T'as pas une corde ou quelque chose? Et tu mets ta ceinture, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais, Janvier? Je ne veux pas trop approcher. Mais il faut s'approcher. Comment veux-tu les attraper sans approcher? Non, je garde mes distances. Ils ne savent pas qu'on les suit. Comme ça, c'est dans notre avantage. Il faut attendre le bon moment. Mais tu es stupide ou quoi? Hé, hey, t'as fini, tu fais chier. T'as pas besoin de me traiter de stupide. Je t'ai jamais traité de stupide. T'es appelé stupide, moi? Jamais, mais vraiment jamais. Je t'ai toujours respecté. En tout cas, ils peuvent être dangereux, on ne sait jamais. Hein? Hein? Je crois qu'ils ont des fusils. Comment tu sais? T'as pas vu dans leurs yeux? C'est des yeux d'hommes qui ont des fusils. Ça regarde et ça dit avec fusil. T'as jamais vu ça, toi? Il est pas très bon chauffeur, hein? C'est comme le dieu Dionysos quand il fuit le jardin de Hermès. Quoi qui? Pourquoi qui? T'es grec, fouin! Juste en partie. Tu devrais quand même connaître ta propre mythologie. Ce sont des ancêtres, non? Oui, mais c'est pas le bon moment. Discuter de mythologie, il faut les tuer! Tu parles encore, mon ami. T'as perdu le contrôle et moi non. Et tu sais quoi? Je ne veux plus poursuivre ces gars. C'est n'importe qui là devant nous. J'ai peur, moi. Je l'admets. Faut. Mais. T'as pas des assurances pour le vol de voiture, toi? Non, j'en ai pas. Je te crois pas. Tu mens. Je sais que tu as des assurances. Tu parlais de tes paiements l'autre jour. On arrête et on appelle la police. Non, mais non, ils sont là. Juste là devant nous. Oh mon Dieu, t'as vu ça? T'as vu tous ces agents?
Je voulais prendre un sandwich et débuter calmement ma journée. Tu vois ça? Tu vois ça? C'est de moins en moins ordinaire, tout ça. C'est pas ta voiture? Ça? C'est ma voiture? Ça? Cosmos, ça va, mon ami? Tu veux pas aller la voir de plus proche? Une dernière fois? Non, pas une dernière fois. Et eux alors? Tu ne veux plus les tuer? Non, pas tuer. Pas tuer. C'est l'agriculture, tu sais, qui a inventé la voiture. Et c'est l'agriculture qui leur a fait voler ta voiture. Je te l'ai déjà dit, mon ami, tout est à cause de l'agriculture. Tout ce qui est mal. C'est ça, mon ami. Même ce qui est bon est mal. Oui, c'est ironique. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? T'as qu'à manger une carotte ou un brocoli et le diable sourit. Ah bon? Tu sais, d'un autre côté, c'est peut-être pas si mal l'agriculture. C'est tout mal. Oui, c'est ironique. C'est comme si tout était sans raison. Hé, j'ai oublié de te dire ce qui m'est arrivé hier. Je passe devant un hôtel, il y a une femme qui en sort l'air un peu fâchée. Elle me regarde et tout d'un coup, elle me montre ses seins. C'est pas vrai. Je te le jure, mon ami. Peux-tu imaginer?
Yeah.